Mbote na bino bande ko balandi nyonso ya Fantastic Info magazine na bino bo s'abonner sur ce belé belé na chaîne na bino Fantastic Info bo partager lien na ba famille na ba connaissance ba tout nyonso vraiment bazali proche na bino pour bango pe ba s'abonner ensemble et longo na bino et bo ilona plateau na biso to yambi pour na bino nde ko na biso ingénieur agronome Daniel ensemble avec Naye Tokolobela sur la transformation de produits forestiers. Parce que na mboka Congo tous ali vraiment na une situation difficile na Congo tous ali na bandité belé toko ka sembola nango fait clarté nango pa ndeko Daniel akopé sa biso moi ba clarté sur place au RDC au qui para na niveau ya Afrique na niveau ya monde na point forestier mais pas si za la ra tout monde a reza ko ba produit na biso fait ba nzété na biso et ça va transformer te en akatia mboka et ça va problème nini ensemble ndeko Daniel ndetoko ebango. Bonjour ndeko Daniel. Bonjour ndeko journaliste. Tout ce pays makasi lolenge lususu ondimi ko tourner na biso émission sur la transformation du produit forestier. Ndeko Daniel tungi to ibanon loroni esala ka liboso biso R2C bandite na biso ça va toujours importer ailleurs pour ça la transformer. Merci beaucoup ndeko Panzisango. On a montré au Tony, ngai en tant que ingénieur forestier, problème y a liboso na mboka na biso pour la transformation ba produits liés notamment y a banzété na biso ça que dans notre pays tous en ont noté na ce qu'on appelle en forestier donc la politique forestière. Ils allaient qui déjà na ba année passée ba entreprise internationale va qui déjà prêt pour na cofinancer ba délié ba makambo koki ko permettre biso to na politique forestière et meka ki ko sala ma main et kuma ki na sukate parce que tu bi était politique forestière donc ils a ensemble ya ba norme e ko permettre biso ou to exploiter forêt na biso mais ils en a ba impact négatif sur l'environnement donc là to limite parler juste d'une gestion durable. Alors alors, on a Congo, si je ne me trompe pas, tous en a deux ou trois entreprises où basse quoi uniquement la deuxième transformation. Or, na ba pays misusu où basa même pas na étendue à forêt locaux les habitants du Congo, bah c'est lancé plus na ma campagne transformation parce que bah kende kana première tiku souka na bah cinquième transformation. Kousouka na cinquième transformation, on suppose que au niveau ce besoin de quoi bah déchets, ils ont aidé na ba différentes transformations. On va fabriquer par exemple bah pâte à papier bah plaqué bah contreplaqué bah triplex l'eau nous tout le monde là bah chinois bah il a mis ça ils ont juste bah déchets il y a bah différentes transformations il y a bah voilà ici au Congo le problème majeur est que bah nous étions tout le monde là plus à Wanakin et au Takana intérieur maintenant pour nous transformer nous étions supposons que nous étions et au Taralisala mati masua e komi na kin e bimi e ke ormuka e ke ormuka na biso place ba kinde ka kozwa donc là on extrait l'arbre même il faut courant et à la kuna en permanence 6 heures à 6 de telle sorte que tango gouvernement central a kotia une entreprise de transformation de bois problème ya courant il faut nécessairement place bazo extrait banzité courant à la 6 heures à 6 pour qu'il ait aidé place usine ça transformation salama ndenge ba nomme et singami tandis que supposons à l'isala je ne pense pas trop que courant est malongo ça kuna courant est malongo ça te et il y a aussi un petit problème que ba entreprise mousus bazo exploiter bilo na biso on ne sait pas trop si bazana ba contrat légal na l'état ça sont des choses à vérifier. Donc pour la transformation, les problèmes majeurs sont dans le courant. Par exemple, quand on était à Mayombe, on suppose que qu'on a d'abord dans la courant, on a travaillé avec un Nenyoana, on a été à Grim et Komiawa, dans Komiawa, OCC, DGA, on a salué Misal Nabango, après, Grim et a exporté. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est que gouvernement central à l'occasion qu'on installe bah entreprise bah transformation y a produits forestiers notamment les bois autour de qu'on est la première
deuxième et la troisième transformation. Et que les gens sont pour que nous avons été dans la valeur sur le marché mondial. Puis la population locale va bénéficier de revenus. Parce que si on suppose que ce bâtiment est une entreprise et que 10 000 taux de chômage dans le Boka, par exemple, 15 entreprises et exploitation de bois dans une province, on suppose que les jeunes, dans la classe, on va se retrouver. La population locale va se retrouver parce que si on installe une entreprise d'exploitation de bois, on a l'obligation d'installer une base de vie constituée dans les hôpitaux, dans les écoles et pour faire avancer le développement. Parce que on a besoin de bénéficier dans l'école, on a besoin de soins appropriés. On a besoin de soins appropriés, Ndeko Daniel. Pour une question, maman Mouki, na kati yambo kanabis au Congo, ben zeteni nini otozanango, ou que vous avez transformé na ba produits moko forestiers très importants et que vous songa même population congolaise, même population africaine. Merci beaucoup, Panzisango. Otozanaba espèce oyo to yebi qui vous a la transformé. Par exemple, Owenge, c'est une des espèces vraiment exotiques à ma mine dans le marché mondial. Tozana. Limba, Tegamaka, Tozana ba espèce un peu ébélé. Donc, ba Iroko, ba espèce Nyosonatangiwana, ce sont des espèces où qui pas n'habitent sur le Congo, ils ont un peu pamba pamba. Aussi, le marché mondial, ils ont le mot Tegamaka, au moins cher. Mais, pour na Tegamaka, de plus cher dans le marché mondial, peut revenir à la bénéfice à la population, la meilleure des choses à faire, ils ont installé ba entreprise ou ana awa. On suppose que quand il y a transport aux Alamakaste, supposons qu'il y a les salas, il y a 4 ou 5 entreprises, il y a transformation, il y a Boiseau qui est la 5e transformation. On suppose que tout le chômage dans la province est diminué parce qu'il y a obligé d'engager. Tout ça, la carte, la carte, et couper ça avantage et belé na ba imboka pe et diminuer chômage pe makambo kende plus liboso de ko Daniel mutno mususu ezali boy. Est-ce que na kati ya concession ba ko sangisa na agriculture ya ba fruits ba légumes na agriculture forestière, est-ce que possibilité ezali ba ça la mélange wana? Merci beaucoup. Et là, ce qui est ok, par exemple, pour que l'État a octroyé une concession forestière, avant qu'il n'y ait beaucoup de population, moi bien la population locale, au bas de la carte déjà, non? D'ailleurs, dans le cadre, il y a code forestier à la carte. Tant que vous avez un avantage de Miki, ils sont dans l'obligation de bénéficier. Par exemple, vous exploitez, vous salez l'entreprise, vous salez l'entreprise, vous salez l'entreprise, vous salez l'entreprise, vous salez l'agriculture. Mais place par exemple, la machine, la place va installer l'entreprise dans 4 ans, vraiment, vous quittez pour travailler. Maintenant, vous avez octroyé aux concessions forestières, vous êtes obligé d'occuper l'espace pour que vous ne puissiez pas vous faire. Vous avez quitté la machine, vous avez le droit de bénéficier d'une partie de terrain. Pour nous ça là bah agriculture pour nous aider bah on a ma camisole sur que non en dehors à entreprise bah vous pouvez côté en dehors il y a entreprise bah vous pouvez côté bande au balan de Bouyoki n'engue de qu'on a vu sur agronome forestier Daniel Alobi nakati ya concession forestière de isalipé possible tous à la paix na agriculture ya ba légumes fruits agriculture nions sur toutes sortes d'agriculture au toyebi donc possibilités ali au gros ça la agriculture il y a bah légumes et tout bah le ling bah agriculture stoyebi mais au gros ça la paix agriculture forestière donc c'est aussi un business qui est rentable pourtant on installe bah matériel noana on installe en noana ils a gros ça la musala musala on est ali aux autres cabillo aux autres transformer bah produit noana aux autres tekango ils a recouvert un bon aux autres possibilités paix il y a aux autres bah il y a main d'œuvre à bateau.
Donc, on engage pe batu comme si pe oroloka pe ba matériel pour na isala musala. Kasi ndeko dane tungi to yeba mboka na biso Congo. Congo démocratique ou tout ça nango na niveau ya monde ils ali 20e na niveau na classe mondiale na ou Italie et forêt. Merci beaucoup mon Francis Sango. Mboka na biso Congo ezali 2e forêt tropicale au monde. Na niveau ya Afrique ezali 5e na diversité floristique na phonique, donc si on a parlé de diversité floristique, donc espèce y a banzété. En Afrique, il y a 5e. Na espèce y a banyama. En Afrique, il y a 5e. Donc ça veut dire notre pays, du point de vue de la forêt tropicale, il y a 2e. Et pour la diversité floristique, na phonique, il y a 5e. Parce que dans notre pays, il y a plus de 400 espèces. Il y a des mammifères au bazar na kati zamba ya mboka na biso, donc tous ali même na ba parc na biso misu ali ba patrimoine mondial ya UNESCO. OK, non ça classé ville qui bazar na banyama na ba nzete misu au monde. Et mon nate exemple palpable au capi, c'est une espèce au moins qui se retrouve uniquement en RDC. Donc raison pour laquelle au monde ba parc na biso par exemple bazar attaqué na ba braconnage, c'est juste parce que non on constate tous ensemble que mo cannabis au bazar na ba tous na ba espèce ba nyama moko ki na monde et zali impétire yango wana tous la par moment menacé parce que yé bana na mokili ki non mutoz ala ka garani na biloko mo à chaque fois il est menacé vu que azamo na ba richesse moko un peu rare au monde quoi. Un peu rare au monde, chers abonnés, vous avez bien compris les explications de notre invité. Nous avons parlé sur la transformation de produits forestiers, des produits forestiers plutôt. Donc, ils ont raté que Soukanarolo n'a souvenir, mais même les arbres ont aussi l'argent. Les arbres aussi, la forêt aussi, peut apporter de l'argent. Et nous, et vous, nous fixons rendez-vous pour nos prochaines émissions. Restez toujours connectés, branchés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, sur votre chaîne Fantastique Info. Kwana vraiment, et vous allez vraiment malade, et partagez les liens avec vos amis, votre entourage. Et puis ça, on peut s'abonner à la chaîne Nabino Fantastique Info. Et prochainement, je pense que tu l'appelles sous Italie la transformation des fruits en produits d'alimentation. Le quoi, tu l'appelles na ba produit forestier, tu l'appelles na ba fruits pour na ba produit y a alimentation. Kasi biso Nabino, tu l'appelles na ba la sima. Bye bye.